Bonjour, aujourd'hui on va parler de Harry et Meghan, on va parler surtout de Lilibet, la princesse, et du petit Artie, le prince d'Angleterre. Ouais. Je vais rajouter une information importante que j'ai oublié de préciser dans ma précédente vidéo au sujet de Harry et Meghan. Je voudrais juste dire que, en fait, j'avais mentionné que le porte-parole de Meghan Markle a appelé Lilibet princesse, a titré Lilibet princesse, et les tabloïdes et les haters se demandaient pourquoi. Donc apparemment, les mêmes tabloïdes et surtout cette Rebecca English qui est contre Harry et Meghan a contacté Buckingham Palace qui a confirmé que le titre de Lilibet, le titre de prince et de princesse ont bien été conférés aux enfants de Harry et Meghan. Donc c'est officiel, ils sont prince et princesse. Il y a déjà des trolls et haters qui veulent mourir, qui s'arrachent des cheveux, qui veulent se pendre. Mais c'est marrant, c'est marrant. Bien sûr que Harry et Meghan s'en fichent de ce titre-là. Mais il est évident qu'ils sont obligés de préciser parce que s'ils ne l'avaient pas fait, on aurait dit qu'ils snobent la famille royale vu qu'on a donné le titre à leur enfant. Apparemment, le site internet de la famille royale sera mis à jour. Donc je vous avais dit il y a quelques jours dans une vidéo de ça que oui, le site n'avait pas encore été mis à jour et que Lilibet était titrée comme Lady et Archie comme Master Archie. Donc aujourd'hui c'est fait, ils s'appelleront Prince et Princesse maintenant. Donc, ça sera Princesse Lilibet et pour Archie, ça sera Prince Archie. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une branche tendue? Est-ce qu'ils n'avaient pas le choix? Est-ce que c'est pour démentir ce que Harry et Meghan avaient dit auparavant? Ça reste à voir. Je voulais aussi encourager les gens à cliquer sur like, hein, s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo, parce que quand même, il y a un certain écart entre ceux qui regardent et ceux qui ont liké la vidéo. C'est très important par souci de visibilité. Si YouTube ne voit pas que les gens likent la vidéo, ils ne me proposeront pas ma vidéo aux personnes, aux gens. Et très peu de personnes verront cette vidéo-là. Voilà, merci d'avoir regardé. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.